4 Tera, c'est pas mal. Il faut arrêter avec Tera, hein, c'est l'univers d'FF9, machin. Bonjour YouTube, évidemment. 45 heures de jeu, 26, on est quasiment à la fin. Hein. Il reste 2h, 3h maximum, promis. Sauf auquel cas, si tu vois qu'il y a 12 vidéos après celle-là, toi tu as l'information YouTube. Tu auras l'information sur combien il reste de VOD. Et on arrive, on est au château de Garland. Sale ambiance. Hera, c'est Tera, mais en fait c'est pas toi, c'est moi. Tu es une âme, tu es pas une âme vide. Voilà, il y a un problème, il y a un problème de relation. L'idée dans FF9, c'est que tout le monde devrait aller voir un psy, mais personne ne le fait. Pour la chaîne Tetris, évidemment. Merci beaucoup. Évidemment, merci Mélodie pour le call to action qu'on appelle ça dans le milieu marketing. Je bug trop. Ah, c'est peut-être moi qui ai fait bugger en relançant la VOD. Je suis désolé. Je ne sais pas si c'est ma faute. Si vous avez bugué quand j'ai cliqué sur le bouton de la VOD, c'est de ma faute et j'en suis navré. Et nous continuons du coup. Alors attendez, faudra me dire si le son, je pense, est ok. Hein. Écoute, si c'est moi, j'en suis désolé. Il est possible que... C'est peut-être nous deux. Hein. Pas moi. Ok, bon, en fait, ça m'indique quand même, s'il y a quelqu'un qui a pas bugué, ça m'indique que ça vient pas de moi, parce que si ça venait de moi, tout le monde buguerait en même temps, quoi. On a obtenu la calotte de ses morts. Oh, mais ça, c'est une référence au Lopez. Chapeau sacré. Ah, tu m'étonnes. C'est pour qui la calotte? Nuit blanche, ni chaud ni froid. Oh, par contre, en stat, elle est incroyable. Les Lopez. protection de 29 à 41, tu passes? Attends, pourquoi Jidan? Ah ouais, mais alors attends, vaut mieux le mettre à Bibi. Oh, attends, ou à Daga, puisque c'est la healeuse. Ah ouais, non mais Daga, elle en a besoin. Ok. Pas mal. Bon bah, on va lui péter la gueule. Je pense qu'on va avoir un boss. Donc on a relancé la vidéo à 16h, ok. Enfin, 16h à Montréal. Calmez-vous. Pas des trucs à fouiller dans le coin là? Bon, je vais trigger un mob, c'est tout. Faire que ça. C'est une énigme ça, ça pue l'énigme, non? Vous avez trouvé un bouton. Hein? Hein? Mais il se passe quoi à la fin? D'accord, mais quoi? C'est quoi la fin? Bon, on va arriver à la fin du compte à rebours. Attention, surprise. Il ne se passe rien. 63 heures, c'est pas mal. Effectivement, t'en as un peu plus que moi. On tape si fort maintenant. Compte à rebours. Exactement. Très bon boss de... Attends, on a le virus. Attends, c'est ça, c'est le virus qu'on a. C'est où le truc antivirus? Antivirus, viens par ici. C'est le vaccin. Où c'est? Bon, je vais arrêter de faire ça. C'est probablement pas ça qu'il faut faire. Faut pas foncer sur une lumière au pif.
Il est fort en plus, lui. On va tester la magie avec Bibi, ça fait longtemps. Mais on a que des brasiers plus, j'ai pas eu les magies X encore. Hein ? Jidan ? C'est parti ! Ah bah non ! 32 euros, oh, belle attaque, eh. Il se passe quoi après quand il n'y a plus personne? Fin du jeu, merci. Jidan est avec papa. Putain. Alors si Steiner s'en va, ça va être compliqué. Hein. Shaker. Ça faisait pas beaucoup de dégâts, je crois. On va faire comète. Hein. Steiner va mourir, mais je pars du principe qu'on va le tuer. Hein. Sinon, je dois me soigner et on perd de... Ah. Ah. Voilà, il fallait croire. Il fallait croire. Bravo. Undead Killer. En tout cas, ça fait pas mal d'XP. Bon, alors... compétence, daga. Il faut faire ceux qui ont pas de... Ok, j'ai compris. Si on est au contact d'un qui fait de la lumière, ça déclenche un combat. Ok, en fait, faut pas du tout les activer. Faut même les esquiver d'ailleurs. Mais oui, ils ont droit à foudre X. Bon, ça va. Ça fait de l'XP, hein, ma foi. On va avoir des persos, on va avoir une équipe là, si on peut l'avoir jusqu'à la fin. Va faire long feu le boss. Ah Bibi il a pris élément 0, je vais pouvoir lui apprendre un autre truc. J'ai rien à lui apprendre. Par contre je vais pouvoir lui mettre le ruban. Ah Bibi il a besoin du ruban je pense. Hein. Ah oui. Oui de ouf. Des bisous Zirel. Bonne nuit. Bonne dodo. Bon, alors attends, il y a une technique ou pas pour gruger? Ah oui, d'accord, c'est ce pont-là, en fait. 15 secondes de décalage. Un petit F5, hein. Sinon, tu peux télécharger l'extension Franker Face Z. What? Il y a 5. Ok. Si jamais vous avez des problèmes sur Twitch, je vais vous donner une extension qui est cool. En plus, ça vous donne des émotes pour mon chat à moi. Franker Face Z, c'est une petite extension de navigateur que j'ai par exemple moi ici. Et quand tu vas sur un... Bon, je vais aller sur le mien. Je vais vous montrer. Voilà, il y a des émotes en plus comme celui que Drax vient de montrer. Si vous voyez que c'est écrit chez vous, et bien ça veut dire que vous l'avez pas. Mais par exemple, moi ce que j'ai comme option, ça c'est le temps de décalage que j'ai. Et il me dit même, voilà, vitesse de lecture à x1,03 afin de réduire le délai. Mais ça, je pense que ce décalage, vous voyez, je viens de rafraîchir mon stream, je pense que ça vient... Enfin, mon stream, il est ici chez moi, donc je pense que le décalage vient de Twitch. Hein. Et puis, bah, vous avez des émotes, en plus. C'est les émotes que j'ai mis. Ah non, ça, c'est Better TTV et Franker Face, il y a ces émotes-là. Voilà, si vous les avez pas,
C'est une extension que je considère beaucoup. Et vous avez énormément d'options pour réduire votre latence, des trucs comme ça, ou pour passer le stream, pour skip les raids si vous, jamais vous voulez pas partir en raid quand on vous propose de partir en raid. Voilà, c'est très très cool comme extension. Bon alors. Ça c'est 0. 1. Ok. Attends. Non, j'étais déjà à 1. Ah ben voilà, ben tu l'as déjà en fait. Alors c'est seulement en anglais, oui. Mais... Attends. Je me demande s'il n'y a pas moyen de la mettre en français. Attends. Non parce que regarde, je l'ai tout en français moi. En fait je pense qu'il y a une option à mettre en français genre... Localisation, non. Moi bon, elle est en français. Profil par défaut, FAQ, journal, module, apparence... Ah localisation, voilà, apparence, localisation... Non, du tout. Utiliser la langue de Twitch. Ah ben non mais c'est automatiquement en français quand tu la mets. Non c'est ça. Donc en fait... Ici, dans apparence, si jamais tu l'as pas, localisation, utilise la langue de Twitch, ou alors, fais une liste avec les langues, directement. Voilà. Et tu verras, ça change la vie. Hein. Ah, mais alors attends, c'est ça que j'ai... Ok, en fait, il faut monter à un endroit où on peut l'appeler. Genre là, par exemple, ça m'arrange. Ça, hein. Donc là on peut monter dessus. On peut pas. Ah il faut que le truc soit bien mis. Donc je pourrais le mettre en position là, trois quarts là. Comment dire? On va voir. Alors. Comme ça. 3, confirmé. Peut-être louper des coffres ou des machins, pas grave. On est pas là pour le loot hein, ici. franchement, après j'ai quand même bien farmé le jeu là. Pour ne pas être en difficulté quoi. Donc d'ici on peut, ok, redescendre. Pour monter là. Ok, coffre. Il y a des bouches au fond, vous les voyez? Pourquoi ce chiffre? Merci, mais pourquoi 20 000? 7? Pourquoi autant? Pourquoi être si précis, je veux dire quoi? Évidemment, ça marche pas. Donc il faudrait... C'est là qu'on redescend, oui. En fait, à chaque fois qu'on monte, ça met un cran, c'est ça, hein. Donc il faudrait... Tac. En fait, faut le mettre en position... Ok. Je crois avoir compris. Ah ? Pourquoi y a du monde ? Ce n'est pas facile d'avancer. Ah non. Attends, devant l'ascenseur, pendant qu'on manipule cet appareil. Bonne idée. Ça vaudrait mieux. Vous manipulez cet appareil pour que je monte l'ascenseur? On va essayer, je compte sur vous. Vous êtes 50 pour... Alors attends, je voudrais la position 4, 5. Confirmé. Déplacer Jidan. Ici. Ah pas du tout. Ah c'est marrant du coup qu'ils aient fait ça. Bon alors. Position 4. C'était. Déplacer Jidan.
Donc là, on peut monter là. Monter jusqu'en haut. Et on prend pas celui-là. C'est celui-là qu'on doit prendre. J'ai besoin de personne, en fait. J'avais juste besoin d'être à la bonne position. Et comment les potes y montent? Bah c'est bien beau. Ils nous ont fait tout un laïus pour dire comme quoi il fallait pas être tout seul et tout. Et là ils sont tous restés en bas à l'ascenseur. C'est gentil. Putain, viens à la pirate au secours. Tu fais éternuer. Un petit mug. Ok. Mogpost. Ah, on a une lettre à lui donner. Une lettre de Mogrock. Y a-t-il de neuf? Kouboum. Ma première Mogpost. Kouboum. Mon premier courrier. Kouboum, kouboum. Mais de quoi je vais te parler? Mais qu'est-ce... Hein? Mais débile. Bon, pas grand-chose à dire. Hop, c'est bon. Ah oui, carrément, on est à ce point rushé dans l'histoire, quoi. J'ai one-shot tous les trucs à one-shot. C'est incroyable. Musique incroyable. Oh, il y a... Ok, Garland qui revient, incroyable. Attention. Hop. Là-bas, c'est l'observatoire... Où nous avons discuté. Tu m'as bien dit que tu deviendrais mon démon. Mais réfléchis un peu. N'est-ce pas l'être vivant qui est le démon? Manger et vivre sont déjà des activités démoniaques. Alors, on est tous des démons ici sur ce chat. Hein. Il y a souvent des massacres. Même dans une famille. Bien que vivre soit sa raison d'être, il ne vit douloureusement qu'au prix d'une autre vie. L'âme d'une civilisation en pleine maturité finira bientôt sous la pression de sa propre douleur. L'âme de Terra ne se réveillera pas avant que sa douleur ne s'apaise. Puis, elle ressuscitera dans une nouvelle dimension, comme une nouvelle étoile. Le temps au-delà de la vie et de la mort. Le monde au-delà de la vie et de la mort. C'est là où nous devons trouver notre existence. Une existence au-delà de la vie et de la mort. Jidan, je te le demande encore. Qui es-tu? Garland, tu es vraiment minable. On sait qu'il y a des amis qui peuvent me sauver. Pour moi, c'est déjà une raison assez bonne pour mener sa vie, pour mener la mienne. Je ne sais pas où se trouve le vrai moi, et pourtant je me pose cette question. Ce n'est pas un chemin facile, mais tout le monde a trouvé ce qu'il cherchait. Nous sommes des êtres faibles, mais c'est justement pour ça qu'on peut s'entraider. Bien. Je vais vérifier si vous restez confident. Et confiant, même au seuil de la mort. Oh, la musique reste. C'est le Silver Dragon, lui. On va le voler, hein, évidemment. Ça a l'air important. Magie blanc. Un petit soin plus à tout le monde. Je fais des soins plus, hein, on est riche. On va stock Bibi. On va attaquer le Silver Dragon une fois, on va voler trois fois. J'aime bien pas DPS trop en fait, tant que j'ai pas volé les objets.
Bibi, il absorbe tout, c'est incroyable. Zidane, faut voler. Hop, si fort. Drag armure. Les objets si forts. Les noms ont l'air forts. Ça veut rien dire. Foudre plus, je suppose que ça fait un sens sur un ennemi qui vole. Ouh, j'ai si peur là. Voilà, c'est pas bon ça. Soin plus à tout le monde. Foudrôle. Double transe et Zidane qui arrive après. Une très bonne nouvelle. Pas mal. Élixir. Bon bah j'ai volé les trois objets. Il n'y en a jamais plus, hein, on est d'accord. Bon, on va commencer à attaquer. Magie noire plus. Foudre, foudre. Ouais, c'est pas tant que ça. Magie bleue. Est-ce que c'est pas le moment d'invoquer? Ça fait quoi, féerie? Est-ce que c'est mieux? J'ai envie de l'attaquer à foudre. Hein. Je commit full la foudre. On verra si c'est bien. Fait utiliser attaquer à toute l'équipe. Ah peut-être, ouais. Oh ! Oh belle ! Faut appuyer ? Bon, ça a pas tapé si... Je suis un peu dégoûté. En vrai, j'aurais dû soigner. Hein. Oh non, on l'a eu ! Steiner, il va jamais avoir l'XP ! Merde ! J'ai pas pensé à ça. Je pense qu'on a un peu trop bien géré le stuff. Hein. On a été efficace. Elixir. Toujours bien. Laisse-moi te poser une question. Quel est ton but? Je te l'ai dit. Ressusciter Terra, bien sûr. Non, non. Ça, c'est ce que souhaite le peuple de Terra. Pourquoi regardes-tu tout le temps? Tu regardes le temps passer comme un insomniaque ici. C'est parce que je suis fait pour être un... gardien. Marquer les heures dans l'au-delà est tout ce que je souhaite. C'est ma raison d'être. Le gardien... existence suprême, contrôle le cours du temps. Alors, voilà pourquoi le dragon était facile, je pense. Il est si stylé. Il est vraiment très stylé, le chara-design. Alors, si tu me laisses... Atomium, salut à tous les amis. On va voler. Elixir sur, sur Steiner. Soin plus à toute l'équipe. Hein. Passe. Voler encore deux fois, je pense. Bon, on est plutôt safe. Peut-être Bibi, encore une fois. Allez, Bibi, il va y aller indépendamment. Il va se soigner seul tout. Ah, stop, ça m'arrange pas. Mandaga, il est immunisé. Il est pas du tout immunisé.
Ninja Suite. Il avait une suite ninja sur lui. Remède sur Daga. Pulsar. C'est Irvine en fait. C'est FF8. Bon, dernier vol et après je peux DPS. Comet, je pense que ça passe. Combat Boots, ok. Et là, magie blanche, soin à tout le monde. Ah, on va en avoir besoin. Donc, très très bien. Et attaquer, hein. Si j'attaque sans faire foudre machin là, foudrôle, est-ce que ça tape pas plus fort? Tape quand même vachement fort, hein, quoi. Bon, Daga, elle est Izuna, hein, je crois. Non ? Non ? Merde. Ah. Attends. Remettre Steiner, Into, magie blanche, soin à tout le monde. Normalement, l'ordre est pas mal. Ouais, voilà, ok. Pendant que Bibi. Magie noire. Le curseur est pas en mémoire, ça m'énerve. J'aurais dû le régler. À mon avis, ça se règle. Bon, je tape aussi fort qu'avec Foudroll. Voleur. Non, attaquer. Attaquer. C'est pas combien lui déjà ? Ça va, ça s'encaisse. Ok, comme ça. Coupe 2. En vrai, les boss tombent assez vite, hein, je pense. Ah oui. Le petit critique là à 7000, c'est pas mal, hein. Pas piqué d'Anotone, comme on dit. Comète, attaque. Et je pense que c'est le dernier coup. Je le sens bien. On va garder Daga sous le coude. Si jamais. Mais je pense qu'on l'a battu là. Sauf Doucrit, exactement. C'est réel. Attention. Je colle le dernier coup. Voilà. Parce que tout est scripté hein, chez un streamer. Hein. C'est le script. Bravo. Incroyable. Je veux sous-estimer trop. Arrête Garland. T'as aucune chance. Quoi ? Oh non. Eh bah t'as raison, il y a une deuxième phase. N'est-ce pas risible? Et si j'utilisais le pouvoir de contrôle des âmes de l'invincible et la puissance de celle qui l'a absorbée pour me retourner contre Garland? Seigneur Garland, quoi que vous fassiez, vous seriez trop bon avec vos chers génomes. L'invincible est à moi et maintenant... Seigneur Garland. Pauvre Garland. Vous avez eu la faiblesse de me laisser vous trahir. Ce n'est pas un hasard. Non, c'est le destin. Cette planète m'a choisi pour maître. Je vous rejoins à l'instant. Il me reste une chose à faire.
Vraiment, vous êtes... trop aimable. Vous m'avez ouvert un chemin vers Terra. Et de plus, vous avez détruit Garland. Zidane, tu es un bon génome et vraiment adorable. Qu'est-ce que tu fais là, Kuja ? Oh, tu es sévère. Ne pourrais pas être-tu plus aimable avec ton frère ? Tais-toi, t'as jamais été mon frère. Oh là là, tu me fais peur, monsieur Garland. Depuis quand se tient-il aussi mal ? Que complotes-tu, Kuja ? Comploter ? Ne vous trompez pas, monsieur, je ne prépare rien. Je vais nous débarrasser de cette vermine-là. Vive Terra ! Bon, vous êtes prêts ? Je vais vous endormir pour l'éternité dans le même berceau que l'âme de Terra. Oui. Pour l'éternité. Oh, ça y est, c'est les termes. On dit les termes. On volait Kuja, hein, évidemment. Robe de lumière. Papillon de lumière, on lui a volé. Foudre X. Comète. Magie blanc. Soin. Steiner. On va DPS. Bibi, je vais l'utiliser pour me redonner un éther sur Zidane. Je pense que c'est pas trop mal comme ça. Objet. C'est Bibi, hein. Objet. Ether sur Zidane. J'ai tout mon temps quand je suis dans les menus. Vous appelez ça une attaque ? Ange armure. Soin. Qui en a besoin ? Juste Steiner. Je vais la garder en stock. Je vais pas attaquer avec. Zidane volé. Kuja. Magie blanc. Là, je vais pouvoir soin. Voilà. C'est Warseed si c'est deux. Bon, volé Ether, j'ai volé tout ce qu'il y avait à voler. Du coup, on peut DPS. Ether pour Steiner. On est pas mal. Normalement, j'ai juste à DPS, hein, là, si c'est comme les autres combats. 3 boss d'affilée, mais 3 boss easy pour l'instant. Montrez-moi ce que vous savez faire. Bah, je sais balancer des Ether, visiblement. Si on invoque sur lui, est-ce que ça fait quelque chose ? Est-ce qu'il réagit ? Est-ce qu'il y a un dialogue en fait ? Vu qu'il a une relation particulière avec les invocations ? Magie noire. Comète, hein, toujours. Da-da-da-da. Donc c'est probablement ça la relation qu'il a avec les chimères, c'est qu'on peut pas le toucher. Soin à tout le monde, à tout le monde. Oui. Escrime et attaquer. Je vais essayer la commande de Steiner qui fait attaquer tout le monde. Voir comment ça réagit. Je vais faire un saigné. Pour varier. Faire un soin sur Steiner, hein, j'ai pas besoin de plus. Et alors je voulais faire Estoc à tout le monde. Oh 10-30 ! Comment ça va ? J'espère que ça va mieux d'ailleurs.
Lystrante qui enchaîne toutes les maladies du monde. Il fait un test pour vous, et après, sur son blog, un débrief. Une note sur 20 à chaque fois. Bah écoute, on est vers la fin, quoi. T'as qu'à échouer. Bon, comète, magie blanc, soin plus à tout le monde. Bah écoute, ça va, je crois qu'on est pas loin de la fin de... d'FF9, visiblement. Ça se passe bien. Ah mais je tape à 50 depuis tout à l'heure avec le météore là ? J'avais jamais remarqué. Je tousse mes grands morts mais ça va. Ah oui, c'est terrible. Oh mais quand tu vas reprendre le stream, ça va faire bizarre hein. Toi t'as fini tous les jeux que t'avais commencé. Du coup tu vas faire un planning de stream qui n'aura rien à voir. Mais voilà, on a fini. Fin du jeu, merci à tous hein. C'est bon, c'est gagné. Bravo. J'attendais ce moment. Oh. Voilà le pouvoir de la transe. Je vais vous montrer ma vraie puissance. Ultima. Bisous Drago, bonne nuit. Merci d'être passé. Oh, ça termine le combat. Je suis bien éclairé là, le fond vert normalement est... Et voilà, c'est ça la force que j'attendais depuis si longtemps. Mon corps déborde de force, de l'âme. Protection contre l'environnement qui essaye de dévorer la vie. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la transe, tu la connais bien. Hein. Mais même si je suis en transe, je n'aurai aucune chance. Vous êtes vraiment plein de vitalité. Comme des puluches. Ça dit les termes. Même les petits mogs sont capables d'entrer en transe. Je m'en suis aperçu quand vous m'avez montré votre vitalité au pic de Goulg. C'est extrêmement simple. Il suffit que j'emprunte la force des âmes pour avoir une vitalité plus forte que vous. Comment je l'ai prise ? À l'aide de l'invincible, ou plutôt l'œil volant, comme vous dites. D'abord à Madain Sal, puis à Lifa, et pour finir à Alexandrie. L'invincible arrachait bien des âmes, et les faisait absorber à son appareil de contrôle. À Lifa, en même temps que le contrôle de Bahamut, l'invincible a pris une grande âme. Vous voyez laquelle ? Non, je ne vous crois pas. Oui, celle de ta maman. Je n'avais jamais vu une âme aussi orgueilleuse et aussi laide. Les âmes enfermées dans l'invincible m'ont bien accueilli. Elles ont préféré m'aider plutôt que d'être enfermées à fond de cale. Alors, monsieur Garland, nous n'avons plus besoin de vous maintenant. Vous devriez prendre des vacances. Laissez-moi Hera et Terra, et je les dominerai avec amour. Même si tu as une force aussi grande... Merde. Pas le bon. Même si tu as une force aussi grande, elle ne te servira à rien. Vous ne reconnaissez pas votre défaite ? Vous êtes pitoyable. Dans les couilles. Bouah ! Vraiment pitoyable. Avez-vous encore quelque chose à dire ? Elle ne te servira à rien. Nupou ! Ouah ! Anakin ! C'est à votre tour de partir. Voulez-vous que je vous donne une mort douce et sans souffrance ? Ou préférez-vous mourir dans une peur et une angoisse totale ? C'est vous qui voyez. Oh, j'ai une meilleure idée ! Si vous devenez des hommes piliers de mon éternel royaume, non, ce n'est pas une référence à Jojo, n'y croyez pas. Chacun d'entre vous sera incrusté dans un des 8 piliers de marbre du hall de mon château, qu'en dites-vous ? On ne te laissera pas faire. Tu n'auras jamais ton royaume. Hein ? Cette voix. Garland ? Tu as encore quelque chose à me dire ?
Crois-tu que j'ai programmé un réceptacle défectueux tel que toi pour vivre si longtemps ? Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Et il suffisait que tu fonctionnes jusqu'à ce que le prochain génome, Jidan, soit assez fort. Afin de limiter les risques, tu as été réduit. Que veux-tu dire ? La durée de vie de ton âme a été limitée. Tu t'arrêteras bientôt. Même si je suis détruit, tu disparaîtras sans laisser ni trace, ni influence sur le monde. Hein ? Tu plaisantes ! Mon âme ne disparaîtra pas dans peu de temps, c'est ça ? Réponds-moi, Garland. Ce n'est qu'une mauvaise blague, hein ? Réponds, Garland. Pour un démon temporaire, tu as bien accompli ta mission. Démon temporaire ? Je suis inutile ? Je ne crois pas à ton histoire. J'ai obtenu la force suprême. Et il me reste peu de temps à vivre. Je mourrai. Moi. Je perdrai. Mon âme. C'est amusant, tu ne trouves pas, Zidane ? Moi qui me moquais des mages noirs, je suis sur le point de m'arrêter comme eux. Quelle mauvaise farce ! Le destructeur de Hera que je suis n'est qu'un pantin sans valeur. Kuja. Kuja. Je n'admets pas que le monde puisse exister sans moi. Ah oui. Un mauvais délire, hein. Zidane, il faut partir d'ici vite. Cette tour et Terra vont bientôt se casser. Mais comment ? Il faut ramener les blessés. Prenons ce vaisseau là, le vaisseau que Kuja a appelé l'Invincible. C'est qu'il a atterri il y a pas longtemps. C'est une bonne idée ça. Mais j'hésite un peu. Bon ok, bon, allez dans le vaisseau. Je vais chercher les énomes qui restent encore dans la tour. Ils ont rien fait de mal. Je ne peux pas les laisser ici. Je vais avec toi. Daga ? Ne me laisse plus. Tout le monde a le même sentiment que moi. Je dois veiller sur toi à la place des autres. Bon, d'accord. On doit repasser par la porte de transmission de l'autre tour. On retourne d'abord à Brandval. Vous allez démarrer l'Invincible. On va voir s'il porte bien son nom. Parce que s'il meurt... C'est super intéressant, vraiment la thématique d'FF9 sur l'existence, elle est vraiment incroyable, je trouve. Le vaisseau est en bas. Vous voyez ici. On peut sauter là. Attends, on a des équipements incroyables. Je suppose que ça sera R. Non. Non. Bon. On a ça qu'on peut équiper, mais... Quoi ? Échappée belle. Compétence Jidan invincible, ça fait quoi du coup ? Utilise automatiquement pas KO pendant les combats. Oui. Donc c'est quand même bien quoi. On va enlever Bird Killer.
Un truc à deux là. Ah non, on est à 4. Attaque MP, c'est trop fort en fait, je le garde hein, toute ma vie. Ni chaud ni froid, allez. Ah, KO, ça a l'air quand même assez craqué quoi. MP plus 20%. On a plein d'élé... Ouais, on en a plein des... MP plus 20. Ouais, pas mal. On a un truc à 3. Autopotion. On a un stock hein, de potions. Hein. Genre Daga, ça fait sens hein, quand même, autopotion. On est d'accord, j'ai rien récupéré pour elle. Hein. Non, elle est la meilleure arme. Oui. La calotte. La calotte, elle était bien au niveau stat, hein, je crois. Turbo, on l'a pas encore appris à fond. Et ça, demi-MP. Ah, c'est un truc qu'on a looté. Oh, c'est si fort. Et compétences d'Aga, demi-MP. On peut enlever MP plus 20%. Et à la place, on a demi-MP. Divise par 2 les MP. En fait, il vaut mieux avoir demi-MP que MP plus 20%, en fait. C'est largement ça le mieux. Et voilà. Let's go. On est pas mal. On se met yimbe. Un appareil de transmission vers le haut, il me semble. On pourrait retourner à la porte de Brandval par là. Ah. Y a des yeux. Derrière toi. L'attaque de MP en question, salut tu. J'ai la ref, elle est excellente, bravo. Des blagues de qualité, jamais déçu. Vraiment ? Elle a changé. Oui, d'accord. Bonjour. C'est les yeux de Love Story. Daga ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ce que tu m'as dit tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as, Jidan ? On dirait que cet œil nous regarde. Comment dire ? Quoi ? Pas le moment de parler. J'avoue, il louche, il derpe. Ben, tu m'as sauvé tout à l'heure. Bon alors, c'est-à-dire... Ça m'a touché, vraiment. En fait, on m'a jamais dit des choses comme ça. Jidan. Comment dire, je suis heureux de... Non, c'est pas ça. Oh, petit bisou, Orkam. Merci. Et merci le sang. Allez vite, dépêchez-vous. Ah oui, il va se péter le bâtiment, effectivement. Bon, Tarasque, tranquille, hein. Je sais pas s'il a une animation de course. Hein. En effet, j'ai pas mangé de bonnes choses, etc. Et si je mangeais ce grand œil là, en souvenir. Oh les souvenirs quoi. Qu'est-ce que tu fais, Quina? Dépêche-toi, mais con quoi. Enfin, un petit tacos là, petit tacos 4 œils, sauce algérienne. Vite, il faut aider les génomes. En fait, il va rester qu'un seul stream hein, sur FF9. Le prochain, c'est le dernier, en fait, on est d'accord. Jidan, c'est pour nous, on les guidera plus facilement. D'accord, Daga, va par là, on se retrouve à l'invincible. Allez, toi, fais des trucs de... Va-t'en, quoi. Coffre, je vois le coffre. Eiko l'a vu. On est entré, mais pourquoi c'est aussi grand à l'intérieur? A priori, la passerelle est par ici. Attendez, où est Quina? Ah, encore en retard. Oh, je vous ai attrapé, miam. Il y a un mécanisme de traction rétractable en bas, miam. En bas? Qu'est-ce que... Allez, pour l'instant, il faut le faire décoller. Non, le coffre. Non, mais moi, je vois que le coffre. Tu penses qu'en une heure, on peut finir le jeu, là?
Il est quelle heure là, d'ailleurs? In the France. 23h. T'es encore là, part, tout va être détruit. Partir? Partir où? Je ne suis qu'un réceptacle. Qu'est-ce que tu dis? Tu le crois vraiment? Non. Garland m'a donné la force et une âme pour que je vous remplace, toi et Kuja. Mais Garland et Terra ne sont plus. Alors, où vivrai-je? Pourquoi vivrai-je? Moi aussi, je me suis posé cette question. Et tu as trouvé une réponse? Non. Non, mais si ça se trouve, je vis pour la trouver. C'est beau. C'est peut-être dur, mais si je suis avec eux, ça devrait aller, non? Au fait, comment tu t'appelles? Comment? Ton nom? Si on t'a construite pour nous remplacer, QJ et moi, tu dois avoir un nom. Mon nom? Ikoto. C'est bien comme nom. On t'appellera comme ça maintenant. Tu chercheras un sens à ta vie. Des fois tu souffriras, mais toi seul décideras qui tu es. Allez Mikoto, on trouvera sûrement un nouveau monde. Tu trouveras une raison de vivre. Bon, de toute façon, on va voir. Hein. C'est trop bien. Il est parti chercher le dernier génome. Désolé du retard. Zidane. Désolé du retard, mais maintenant, tout le monde est là. Il faut partir, tout va s'écrouler. Incroyable ces cinématiques, ça fait trop plaisir. Ils sont pas si vieillis que ça quand même. On dirait qu'on a réussi à décoller. Oui, nous avons quitté Terra, mais... Qu'est-ce que tu as, Freya? Quelque chose ne va pas? Non, c'est juste que j'ai discuté avec Tarask et... Terra est détruite. Mais est-ce que ça suffira pour l'arrêter? Vous pensez à Kuja? Est-ce que Kuja serait vraiment capable de se suicider en entraînant Terra? Quelle que soit sa puissance, il n'aurait pas pu survivre à la destruction de Terra. Zidane, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il va s'en prendre à Hera. Et comment? Il y a quelque chose qui m'inquiète. Un truc qu'il a dit, Garland. Il a parlé d'un lien entre Hera et Terra, un grand arbre enveloppant la lumière des étoiles, étriant les âmes. C'est... Exactement. C'est l'IFA. C'est incroyable. Là, dehors, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe, Steiner? On comprend rien, explique-toi. Venez voir sur la passerelle. Le coffre. Moi, je veux le coffre depuis tout à l'heure. Je veux le coffre. Et alors, il y a juste un peu de nuages? Ce ne sont pas des nuages. Qu'est-ce que tu veux dire? On ne vole pas assez haut pour être au-dessus des nuages? On va descendre un peu pour voir. Ce n'est pas ça du tout. Nous ne sommes pas si haut et c'est comme ça, perte de vue. C'est la brume. C'est la même que celle qui a servi à fabriquer les mages noirs sur le continent de la brume. Elle recouvre toute la surface de Hera. Comment ça? Kuja, qu'est-ce que t'as encore fichu?
Merci à vous, maintenant, tout le monde les accueille bien. Oh, ce n'est rien. C'est peut-être pas assez pour vous récompenser de votre aide. Mais si, c'est déjà trop. Je vous remercierai en tout cas. On sera amis. Ça ne vous gêne vraiment pas ? Est-ce que c'est une idée de Bibi ? Oui, oui, c'est lui qui a pensé. Il pense que votre village est le meilleur choix pour les génomes et pour qu'ils vivent en paix. Nous les comprenons et nous gagnerons leur confiance. Et puis, il m'a dit aussi que si les mages noirs peuvent vivre avec des génomes, ils pourront aussi vivre en paix avec les hommes un jour. C'est tout comme vous. Je ne sais pas si on a compris. Si on vous a compris. Jusque-là, je me pensais comprendre Bibi, mais... Laissez-nous vos amis. Nous nous entendrons bien. Je te fais confiance. C'est quoi ce monstre ? Ce n'est pas un monstre, c'est un chocobo. Il s'appelle Bobby Cowan. Vous lui avez donné un nom ? Oui, son nom c'est Bobby Cowan. C'est beau comme nom, n'est-ce pas ? Je le trouve un peu long quand même. Si vous jouez avec Bobby Cowan, et il ne meurt pas ? Tu vas pas avoir peur d'un chocobo aussi petit ? Mais attends, Bobby Cowan ! Tu lui plais beaucoup. Je le trouve un peu long quand même. Pourquoi ces objets sont bien rangés ? Pourquoi ? Pour que les clients puissent trouver facilement leur objet préféré. Qu'est-ce que ça veut dire, client ? Eh ben, c'est ceux qui achètent quelque chose pour de l'argent. Il est con, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, argent ? Argent, c'est-à-dire... C'est ce que tu as en trop petite quantité pour travailler et que tu as besoin après, sinon tu meurs. Client et argent, peu importe. Le monde n'est pas aussi compliqué que tu le penses. T'as que deux genres de choses dans le monde. Ceux qu'on peut servir d'aliments et le reste. Est-ce que l'eau ne reste pas ici ? Hein ? L'eau s'écoule, y a rien de plus naturel. À Brandvald, l'eau ne s'écoule pas. Elle ne fait qu'osciller et reste constamment immobile. Ah, au fait, le temps s'écoule aussi. L'eau et le temps aussi s'écoulent. À Hera. Enfin, à Hera, y a plus rien surtout. On dirait qu'ils s'entendent très bien. Des gosses font joujou avec des mots. Pour l'instant, c'est mieux que rien. Ils doivent rattraper le temps perdu. Ils n'ont pas eu d'enfance. Ils pourraient la retrouver ? Comment savoir ? En tout cas, il y a une seule chose que nous puissions faire. Rien de plus évident. Oui. Personne ne les dérangera plus. Vous ne le regretterez pas, princesse. De quoi parlez-vous ? C'est Kuja qui a créé la brume. Il prépare quelque chose à l'IFA. Avant de s'engager dans le dernier combat, il faudrait demander conseil au roi Cid de Lindboom. Kuja voudrait détruire Terra, mais aussi Hera. Informer Lindboom des intrigues de Kuja ne servira qu'à aggraver la peur des gens. À cause de la brume ressuscitée, les habitants de Lindboom sont déjà pris de panique. Mon oncle doit protéger son royaume. Nous devons nous battre contre Kuja. Même si nous passons à Lindboom pour renforcer nos équipements, ne prévenez pas mon oncle. Il est temps de partir. Oui, on y va. Vous n'avez aucune chance. Ah, un peu violente la voix. Vous n'avez pas vu la force de Kuja ? Il a détruit le monde entier à lui seul. Il n'y a aucune chance d'abattre Kuja. Nous sommes tous en voie de disparition.
Elle parle très bien. Coucou Clyde, ça fait super longtemps, comment vas-tu? Merde. Elle est un peu tordue, mais gentille au fond. Elle s'appelle Mikoto. Elle est un peu comme ma sœur. Comme tout le monde d'ailleurs. Qu'est-ce que tu racontes? Ne sois pas méchante avec eux, tu m'entends? N'importe quoi. On va lui montrer de ce que sait faire la vermine. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. C'est autre chose. Allez, on part pour l'IFA. On va pas laisser Kuja faire ce qu'il veut. Eh ben on va finir le jeu ce soir. Hein. Bien écoute, merci beaucoup Clyde. C'est extrêmement gentil. Je remets la webcam. Je coupe la webcam pendant qu'on est en doublage. Alors. Tu voulais streamer toi au fait Clyde? On en avait parlé il me semble, non? C'est toujours un petit projet ou c'est en stand-by? N'hésite pas à me dire. Hein. Alors. Bon, ma main équipe, hein, c'est ça. Alors, on va finir le jeu, du coup. Je pense qu'on va faire une petite pause. Enfin, un petit FK bio, 2 minutes. Aéronef. Oh, il est trop beau, le vaisseau. On va faire une petite sauvegarde ici. Et du coup, Oh, le thème a changé, le thème du vaisseau a changé. Un peu en pause le projet car je passe... Ah! Tu fais quoi comme étude en ce moment? Enfin, sauf si tu veux pas en parler. Hein. Tu dois aller où? À l'IFA! Au boss de fin! Ici! Visiblement. Je vais faire un petit AFK bio. 2 minutes. J'en ai vraiment pas pour longtemps. Je reviens dans 2 minutes. Vous voyez le compteur? Il va s'afficher. C'est entièrement faux. Je passe le bac. Attends, on en reparle après. J'arrive, je reviens. On finit pas le jeu ce soir? Oui, moi je pensais qu'on y était. Ah oui, d'accord. Donc du coup, on a quand même pas mal de temps d'exploration. Oui, le bac, c'est terrible. J'en ai... Bon après, moi, ça s'est bien passé. Alors, c'est un bac quoi? C'est un bac générique? C'est un bac S? Le vaisseau est beaucoup plus rapide. Ah, il y a la brume de partout. Dans l'IFA, est-ce qu'on voit visuellement s'il y a un truc là? Ah oui, il y a un truc, ok. Ok, il y a un truc. Je pense qu'il n'y a pas de stream par contre. Je pense que la semaine prochaine, il faut que je prévoie qu'un seul stream, je pense. Qu'après, c'est fini. Ah ouais, la brume, elle recouvre tout. On va sauvegarder déjà ici. Non, parce que j'avais pas sauvegardé, hein, je crois. Petite musique. Sauvegarde. Oui. La semaine prochaine, je pense que je prévois un seul stream. De FF9. Compétences, équipement.
On va vérifier où on en est. Ouais, non, c'est pas mal. Ah. Ouais, pas forcément. Oh, auto-récup. Oh là là. Alors ça, je suis trop content d'avoir ça sur lui. Alors lui, il a plus de trucs depuis très longtemps. Rétro-magie. Ah oui, je suis donc officiellement en avance sur toi. Bon, de toute façon, si tu joues avant la semaine prochaine, tu seras en avance sur moi. Ça, c'est fort quand même, hein, ce qu'on a. Bah, j'espère bien, quand même. Quand même. Compétences. Putain, mais toutes les compétences que je dois activer pour Steiner. Autorécup, j'aimerais bien l'avoir. Il m'en faut 9 en plus, là. Attention, on enlève. Bird Killer. Herboriste. Il manque 2. Bisous, Bat. Plein de bisous, bonne nuit. À demain, si tu es là pour... Elden Ring, rien à voir avec Final Fantasy. J'ai presque envie de dire que ça c'est mieux, hein, on est d'accord. Auto-récup c'est quand même bail quoi. Ah bah avec plaisir. Alors attends, est-ce qu'on peut aller à d'autres endroits avec ce vaisseau ? Pour aller aux enchères. Attends, c'est pas ici les enchères, c'est à Attends. Traîneau, c'est. Là ? Non. Arrêtez, coué. C'est où, traîneau ? C'est là, je crois, non ? Non, c'est Blue Messia. Le mec qui connaît pas Dali. Oh, c'est là. On va traîneau. On va voir les chiens. Les chiens de traîneau. Secours. Comment Chocobo ? On va sauvegarder devant. Et en vrai, de toute façon, en fait, on en a pas trop pour long, là. Et je pense qu'après, on fait un stream. La semaine prochaine, on finit en un stream. Et est-ce qu'on commence Chrono Trigger ? Alors. Ça y est, ça c'est le moment du jeu où tout est ouvert. Où t'as fait toutes les quêtes de tous les côtés. Enfin, où t'as fait toutes les quêtes. Où toutes les quêtes sont accessibles. T'as le vaisseau qui te permet d'aller partout, ça c'est trop bien. Bon allez. Alors, objet mis en vente, est-ce qu'il y a des trucs nouveaux ? La queue de rat, on l'a déjà. Coude d'orgue, on l'a déjà. Ongle magique, on l'a pas. Pickpocket, on l'a pas. Bon là, on va AFK un petit peu. À mon avis, c'est les deux objets qu'on attend là. Ongle magique et pickpocket. Des armes, je pense. Vous pouvez voler avant d'avoir le vaisseau. Un peu plus de stuff que nous ici.
Après, je suis content, tu vois, je suis pas underlevel, mon perso il tape assez fort et tout, je suis assez content. Je galère pas, quoi. Voire, je trouve que j'ai peut-être un petit peu... Enfin, tu vois, on fait du Elden Ring après, donc forcément, Elden Ring, on est un peu plus dans la choucroute. Donc là, c'est un jeu où on galère pas trop. Et la quête du chocobo, j'imagine bien que... Et Ruguin Kong. Il faudrait que je mette mon micro de l'autre côté. Là, il est côté droit du bureau, faudrait peut-être que je le mette de l'autre côté. C'est quel truc là où j'en chéris ? De Dorgan, on s'en fout. Ongle magique. Ah, je veux. Ah oui, c'est le résultat, oui, c'est vrai. Ouais, mais attention, hein, polémique, hein. Polémique, les résultats chez Melody. On a perdu les clés de mon bureau, de ton bureau. Ah, les vis ! Ouais, au pire, ça... Enfin... Ça se retrouve, des vis, hein, ça se rachète, au pire. C'est pas grave, vaut mieux perdre des vis que des clés, hein. Rassure-toi. Bon, il faut lâcher l'affaire, là, hein. Allez, hein. J'en suis quasiment à la fin, je pense qu'il va rester un stream. Je veux ça aussi. Mais de toute façon, on a plein d'argent. Regarde, j'en ai encore. Ah oui, j'avoue quand même. Il est où d'ailleurs ? Attends, ça enchérit si je... On s'enchérit pas. Objet... De toute façon, je l'achète direct, hein. C'est... Je vois pas ce que j'ai eu. C'est ongle quelque chose, là ? Elle est où ? C'est où que j'ai eu ? Tricorne, arsenal... Je vois pas où j'ai eu le truc. Épée... Zorin. Ah, c'est un trésor, c'est ça ? Ah, voilà. Semble lié à Golo. Golgo. Ok. C'est qui, Golgo ? Au secours. Les enchères, quoi. J'ai assez ? J'ai bientôt plus. Oui, je pensais à Golgotha, mais... attends, c'était quoi l'objet que j'ai eu ? Ah, je sais même plus ce que j'ai eu au secours. Je sais même pas ce que j'ai acheté au secours. Golgotha, c'est un perso dans... Oh non, pas noob, hein. Oh non, hein. Oh, pas de politique ici. C'est un bracelet pour Zidane. Bon. C'est que pour lui ? Compétence maître voleur. Alors attends, si la compétence c'est qu'il peut jamais louper le vol, je vais rigoler parce que c'est littéralement le cheat que j'ai activé. Vol ce qu'il y a de mieux. Mais on s'en fout.
vais le déséquiper. Je peux tout voler. Voilà. Ça, c'est mieux. Voilà. Je préfère largement ça. Golgotha, c'est le nom de la colline où est crucifié le Christ. Voilà. Aussi. Alors attends, il faut le filer à qui ça, trésor, l'ongle magique? Je vais regarder sur internet. Ongle magique FF9. C'est pour Excalibur. Vieillard de Daguerreau. C'est où Daguerreau? C'est où? Il y a plein de trucs que j'ai loupés. C'est où le village de Daguerreau? Attends. Daguerreau. Ce n'est pas un passage obligé, mais plutôt intéressant. Un village se nommant Daguerreau est désormais accessible avec l'île de Garde 3. Il se trouve au sommet d'une montagne sur une île au sud-ouest de la carte du monde. Sud-ouest. Et regorge d'objets de valeur. Eh bien, on va y aller. Et du coup, c'est là où on doit vendre le truc. Et on a l'arme craquée pour Steiner. Et comme ça, on aura fait un bon stream bien rempli. Il restera un stream, je pense, sur FF9. On fera en sorte que ça fasse qu'un seul stream. Et on sera pas mal. Hein. En tout cas, il est vraiment très très cool. Très content de l'avoir fait. C'est pas là. Non, c'est... Voilà. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps là. Un bracelet. Ah bon? Mais je pensais que c'était au village de Daguerreau qu'il fallait échanger. Oh, la violence. Alors ça c'est ici. Ça. Ah ok, pour sortir, ok. J'ai pas capté. On va le mettre là. Comme ça je fais combo en fait. Ma démarche c'est à combo. On gagne forcément en fait. On va le récupérer, car vous croyez en moi. Vous croyez en moi, hein. Bah non, je vais pas sauvegarder maintenant que j'ai perdu une carte. Non, parce que là, je la récupère et après on sauvegarde. Eh oui. Ah, réfléchissez un peu, quoi. Mettre ici. Ouais, nickel.
Nickel. Chute. Chute. Ça va réussir. Eh oui, parce que... Attends. Non, ça c'est de la merde. Attends, on est pas mal là. Ah oui, pas mal. Bravo. Oh merde, j'avais pas vu. Oh attends, attends, si j'ai voulu, évidemment, évidemment c'est voulu. J'avais pas vu du tout. Rien vu. Ah le mot est évident ici, évidemment. Mais j'y vais aller où? Il y a ma parente du Shiva. Shiva te casser la gueule. Elle est où Shiva? Mais rends l'argent. Attends. Lui il est fort hein. On a que des cartes craquées hein, maintenant c'est bon. Oh Shiva. À la première carte. Non mais si me la prend, en fait c'est perdu là. Donc non. On va la jouer sécurité. Comme ça. On va même la jouer comme ça. Voilà. Bah, fais ta vie, hein, écoute. Et là, lui... Compliqué le jeu quand même, hein. Oh. Tant pis. Ok. Ok, c'est bon. J'ai peur. Attends. Comme ça. Je joue la sécurité. Sécurité de l'emploi avant tout. Et là, on s'en fout. Là, il n'y a aucune chance qu'il gagne. Voilà. Attends, là, ça peut être un drame, ça. Comme ça. Voilà, on gagne. Mais pas Shiva, toujours. Hein. Shiva! Faut remettre Shiva s'il vous plaît. Faut jouer franc jeu là. Shiva pas... Mais oui! Shiva perdre! Attends, lui il est fait pour aller ici. Attends hein. Désolé, c'est un emplacement gratuit pour moi ça. La technique du pleureux. Gros usage de Ramu ici. C'est bon. Évidemment, oui, tout est sous contrôle. Hein. Des bisous, Green Kong. Bonne nuit. À demain. Courage pour les vis du bureau, j'y crois. Bon, Shiva, c'est perdu. On peut plus. Et je suis plutôt quelqu'un de patient, d'habitude.
Non, c'est perdu, c'est fini. Le jeu a bugué, hein. Alors attends, en haut à gauche de la map. C'est fini, c'est perdu, c'est perdu. Attends. Là, il y a le village. C'est où le village? C'est par là? En bas à gauche. Ah ouais. Ah mais alors attends, oui. Ah ouais, attends, à gauche là? Enfin à gauche, genre pas vraiment la gauche mais la gauche quand même. Non, y'a pas de village. Attends, non, je suis pas sûr, Banilo. Celui-là. Non, y'a pas de village ici. Ah ben j'aurais pu y aller en plus, ça, c'est une île qui était accessible. Mais oui, mais à gauche, je suis sur le continent de gauche. Ah! Il y a l'ombre ici. Attends, mais du coup on peut le... Non, je vais sauvegarder. Non, je suis littéralement dessus. Attends. Je vais sauvegarder avant. L'île au-dessus. Ah mais attends, mais c'est ça? Ah non, c'est l'île au-dessus de ça. Mais pourquoi je peux pas aller là? Ah, c'est le final de la quête des chocobos, donc on s'en fout. Mais voilà, on a trouvé le village facile. C'est ici, regarde. Et voilà. Ne paniquez pas, quoi. Daguerreo. Easy. Alors ici, c'est blindé de stuff, apparemment. C'est hyper insalubre. Torrent de chasseurs rangé, tu débutes, c'est ça? Ok. Oh! Oh, c'est lui! Oh non, j'ai vendu Gradius. Ouais, voilà, je suis deg. On peut tout craft. Trop bien. Ah, c'est par rapport au coffre. Ok, je savais pas. Marron. Extension. Extension, j'en ai pas. Ah mais ça, attends, ça je veux bien le craft, mais en vrai, c'est moins fort de ce que j'ai. Outpost. Il te dit quand même que t'es une merde, d'accord, bon bah ça sert à rien quoi. Ah que c'est une merde lui. Ah The Bolt. On l'a vu lui, il nous a fait un vaisseau. Super gentil le gars, un mec comme ça quoi. Oui. J'ai validé trop vite un dialogue, je pense. Ok. D'accord, un mannequin de sa femme, c'est pas du tout cringe. Ah
Alors attends, ça fait quoi comme... On va XP Steiner. Après... Et on est pas mal. Bibliauberge, nous avons des hamacs pour les voyageurs qui désirent... Oui. Bonjour. Ah. Ok. Pas descendre. Bonjour. Bon, c'est bien, on peut lui dire, on peut leur dire les deux dialogues. Les cloches de au-delà de la brume. Hera, son aspect. C'est bien, on s'en fout. Hera, sa vie, son histoire. Bon, on va redescendre. Taisez-vous. Mais les bouquins noyés, c'est bien, ça doit pas être... plus chelou comme endroit, quand même. Alors... Ici, à gauche. Oh. Milieu. Ah bah oui, on a le vieux. Ah bah oui, bah tiens, bah, on va le propulser. Vas-y. Celui de gauche trois fois. J'ai fait 4 fois. Peut-être que c'est pas bien. Ah ! On l'avait eu à Blue Messia, oui. On fait vers ça. Regardez le trou, le Strao. Il faut mettre quelque chose de dingue. On prend ça. On met de dingue. Et après on remonte le truc. Pécab. Et du coup on remonte le levier droite. Je suppose. Parce que ça fait l'opposé du coup. Lui là. Regarde, là on peut monter. Bonjour. Bonjour. Ah, le mec d'en haut là. Ok. Donc, j'ai envie que ça fasse des escaliers parfaits. Un principe de vie, quoi. Attends, on est obligé de passer par là. D'ailleurs, attends, y a pas un truc, là? Oh. Oh, le pif! The pif, quoi. Capricorne, meilleur signe, en plus. Mais vous le saviez déjà, hein. Le vieux, c'est... Non, le mec de tout à l'heure, c'était lui. Ok. J'ai plus d'argent. Secours. Qu'est-ce que je peux vendre, d'ailleurs? J'ai pas des trucs à vendre depuis tout ce temps, là? C'est la première fois que j'ai besoin de thunes, d'ailleurs. L'équipement est pas mal.
Le péridot. Ok, c'est 1. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que je voudrais lui acheter d'ailleurs ? Guardian, on s'en fout. Épée Ultima, bon, ça doit être bien, peut-être pour apprendre un truc. César Griffe. Ah, tous les trucs sont incroyables en fait. Dragon. Et de l'Aegis. Ah, c'est que pour Steiner, tiens. Ouais. Ninja Suite, on l'a volé. Ah, pour Jidan aussi, tiens. On va regarder ce que ça faisait. Ah bah tiens. Alors ça. J'ai les renais, c'est tellement mieux. Choco-légumes, non. Qu'est-ce qui se vendrait cher? Évidemment, rien ne se vend cher après. J'en ai deux. Les armes, je veux bien en avoir une de chaque, mais... deux, il y a peu de chances que ça serve, quoi. Des bisous, Yunami, bonne nuit. À demain, pour... Je sais pas ce qu'on fera, on verra, on improvisera, quoi. Merde. Je crois qu'elle commence à plus avoir de batterie, ma manette. Alors, acheter... Là, du coup, on a un peu plus de, voilà, de marge de manœuvre, là. Anoricalque, Guardian, Épée Ultima, Lance-Gourou... On n'a pas d'armes pour Bibi, ça m'énerve, ça. Qu'est-ce que j'ai en 0 fois? Ok, ça c'est en 0 fois. Ça c'est en 0 fois, et c'est pour Steiner. On va le prendre. Force-les. Ça, je vais en prendre 2, je pense. Ninja Sun, j'en ai pas besoin. Ça doit prendre des capacités incroyables, hein. Équipement. Le kimono. Bah du coup, on va mettre le ninja machin, là. Ça augmente pas grand chose qui m'intéresse. Tiens, pour Steiner. Ça... Ah d'accord, ça, littéralement ça n'augmente pas mes stats quoi. Ah non, c'était pas ça. C'est l'Aegis. Bah c'est nul. Très content de l'avoir acheté. Bon. Bon, les deux ont une attaque incroyable hein. On va sauvegarder, je pense qu'on va s'arrêter là. Attention. C'est ici la fin. Sauvegarder. Hop. Et dernière VOD, du coup, pour YouTube. Ce sera sûrement la dernière fois. On fera du Final Fantasy 9. Donc ça sera les derniers streams. Ben c'est parti, on arrête la VOD ici. Attention, arrêtez l'enregistrement en 3, 2, 1.